أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Vous savez, si vous voulez voir si un groupe, entre guillemets, alors que nous on fait partie du groupe des musulmans, c'est lui qui vous a nommé les musulmans, ni ikhwani, ni tabliri, ni salafi, ni... De quelle tendance je suis? Quel groupe je suis? Alors je vais y répondre, ouvrez bien vos oreilles, roulement de tambour, eh bien aucune. Aucun groupe, aucune affiliation, aucune tendance. Je ne suis absolument personne et je ne suis dans aucun groupe. J'ai en fait toujours refusé d'être affilié à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Huwa sammakum al-muslimin ». Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une très belle appellation dont nous sommes fiers, qui est musulman. Pourquoi en chercher une autre? Alors, une chaîne que les gens apportent aujourd'hui, les gens qui viennent aujourd'hui, ils viennent avec une chanchana ou dandana en disant on ne doit pas se dire salafi. Pourquoi vous dites je suis salafi? On ne doit pas se dire salafi. On doit simplement dire qu'on est des musulmans, c'est tout. D'autres disent même se dire salafi c'est une bid'a. C'est parce que le prophète, on n'a pas vu un hadith où le prophète a dit qu'il est salafi. Ni les compagnons n'ont pas des hadiths, des athar, où on voit des compagnons dire qu'ils sont salafis. Donc c'est une bid'a. Et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Huwa sammakum al-muslimin » Sourate 21, verset 78. « Lequel vous a déjà nommé musulman. » Vous appelez musulman, vous devez dire que vous êtes des musulmans, c'est tout. Alors, « intabihuhuna »« Arju antantabihuhuna » Ne soyez pas trompés par ce genre de personnes. Les gens qui viennent vous dire, non, il ne faut pas vous dire salafi. On ne doit pas se dire salafi. On doit simplement dire qu'on est musulman. Hein? Le prophète n'a pas dit qu'il était salafi. Les compagnons n'ont pas dit qu'ils étaient salafi. Donc il n'y a pas à dire ça. D'autres sont même allés loin. Moi, j'ai même écouté des gens aller jusqu'à dire qu'on ne doit pas se dire, on ne doit même pas dire gens de la sunna, ahl sunna. Alors, intabihuhuna. Le mot salaf, c'est un mot qui est connu dans la langue arabe. Et le mot salaf, c'est al-mutaqaddim wa sabiq. C'est celui qui t'a précédé, hein, ou l'antécédent, ce qui a précédé. Al-mutaqaddim wa sabiq, celui qui t'a précédé. On dit salaf. Et on peut... Le pluriel de ça, c'est-à-dire le pluriel de salaf, on peut dire aslaf, on peut dire soulouf, on peut dire soulaf. Tout ça, ça rentre dans le pluriel de salaf. Et le terme salaf, ce terme-là seulement, c'est venu dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 43, verset 56, فَجَعَلْنَاهُمْ salafan wa masalan lil-akharin. Nous fîmes d'eux un antécédent, ou un exemple, une leçon, pour la postérité. Donc, pour les autres. Donc, le terme salaf est venu ici. Faja'alnahum salafan. Donc, le mot salaf en lui-même, c'est pas un mot qui n'est pas connu dans la langue arabe. C'est un mot qui est connu. Donc, tu peux pas venir rejeter déjà ça. Parce que c'est un mot déjà qui est connu dans la langue arabe. Et ceux qui disent que c'est une bid'a, on va les réfuter tout à l'heure, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Nisa aussi, Sourate Zukhruf, ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est Sourate Zukhruf, Sourate 43, verset 56. Sourate Nisa au verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. » Donc le terme salaf qui est venu ici. Comme on a dit, le terme salaf dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Ce qui a précédé, celui qui t'a précédé, l'antécédent, etc. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Ibn Manzur dit ceci.
dans Lisan al-Arab, au tome 9, à la page 159. Il dit « Wassalaf aydan man taqaddamaka min aba'ik wa zawi qarabatik alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli fi sinni wal fadli wa li hadha sumiya sadr al awwal min at tabi'in as-salaf as-salih. » Il dit le terme salaf, c'est celui-là qui t'a dévancé, hein, parmi les pères, celui qui t'a précédé, qui t'a dévancé parmi les pères, les proches, ceux qui sont au-dessus de toi en âge et en mérite. Il dit, c'est pourquoi on a appelé la première génération des tabi'in salaf salih, les pieux prédécesseurs. Donc, le terme salaf, c'est celui qui t'a précédé, celui qui t'a dévancé. Celui qui t'a précédé en âge ou en mérite. Donc, on parle de salaf. Et vous faites la différence entre salaf et salafi. Salaf, celui qui t'a précédé. Et le prophète a utilisé le terme salaf dans ce sens-là. Il a dit, quand il était proche de la mort, il a dit quoi? Il a dit, il disait à Fatima, « Wa inni la ura al-ajal, illa qad iqtaraba, fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'ma salaf ana lak. » Le hadith est dans le sahih. Sahih muslim. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vois, le terme est proche, donc la mort. Il a dit à Aïcha, crains Allah, patiente. Il dit, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc le terme salaf, c'est un terme qui est connu dans la langue arabe. Ça, il n'y a pas d'ishkal. Et les salaf, quand on dit les salaf salih, ce sont les compagnons du prophète, les élèves des compagnons, ceux qui les ont suivis, donc ceux qui sont venus après qui les ont suivis. On parle de quoi? On parle des pieux prédécesseurs. Jaïd. Donc les pieux prédécesseurs, ils nous ont dévancés. Donc ça, au niveau de la langue arabe, déjà pas d'ishkal. Donc quand on dit les salaf salih, on vise par là, donc les pieux prédécesseurs, on vise par là, ceux qui nous ont précédés, parmi les compagnons, les tabi'in, ceux qui sont venus après, qui les ont suivis. Ceux qui sont venus après, qui les ont suivis. Ça, c'est un point qui est important. Alors, ceux qui disent, on ne doit pas dire qu'on est salafi. Salafi, d'abord, veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je suis salafi, qu'est-ce que ça veut dire? Salafi, c'est-à-dire, je comprends le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs. C'est-à-dire, je suis les salafs. Donc, je m'affilie aux salafs. Donc, lui, on dit, il est salafi. Le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. On dit, celui-là, il est salafi. Donc, salafi, c'est celui qui suit les salafs. Celui qui comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, des salafs salih. Celui-là qu'on dit qui est salafi. Celui qui comprend le Coran et la Sunna, le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, on dit que c'est un salafi. Ça, déjà, il faut comprendre ça d'abord. Parce que celui qui a des problèmes, parce que ça, on appelle ça nisba dans la langue arabe. Celui qui a des problèmes de langue arabe, déjà, c'est compliqué pour lui. Parce que beaucoup, tu vois, beaucoup qui vont venir, tu te demandes, est-ce que vraiment toi, tu comprends la langue arabe? On te dit salafi. Salafi, c'est-à-dire qu'ils s'affilient aux salafs. Ils suivent les salafs. Donc le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est le salafi. Vous avez compris ça? Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut renier. On ne peut pas renier ça. Le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui s'affilie au salaf. Et ça, c'est connu. Donc ça, c'est la nisba, salafi. Donc, les salafs, on a dit qu'ils sont les salafs. Quand on dit salafi, donc il suit les salafs. Donc il comprend le Coran, il y en a sous la compréhension des salafs. Donc des pieux prédécesseurs, des salafs salih. Donc ça, il n'y a pas d'ishkal. On n'a même pas fait un débat sur ça. Quand on dit salafi, c'est-à-dire qu'il suit le Coran, il y en a sous la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire s'affilie aux salafs. Ça, on n'a pas besoin de faire un débat sur ça. Maintenant, quand vous dites aux gens, non, vous ne devez pas vous dire ça, on ne doit pas se dire salafi.
Lèche, pourquoi on doit passer les salafis? Vous dites, non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, soit 21 verset 78, Hum sammakum al-muslimin. Lequel vous a nommé musulman. Et voilà, on nous a appelés musulmans, nous sommes des musulmans, on doit seulement dire qu'on est musulmans. On dit, c'est toi qui connais plus ou bien c'est Allah? C'est toi qui connais plus ou bien c'est Allah? A antum a'lamu amillah? C'est vous qui avez plus de connaissances ou bien c'est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas appelé des compagnons du prophète Muhajiroun? N'a-t-il pas appelé des compagnons du prophète Al-Ansar? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas parlé des Ghuraba. Quand Allah a appelé des compagnons du prophète Muhajiroun ou bien Ansar, il ne savait pas que c'était des musulmans. Il ne savait pas que c'était des musulmans. Il savait. Mais ça n'a pas empêché Allah de les appeler Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Ou Al-Ishkal. C'est faire une distinction. Ça, ce sont des Muhajiroun et ce sont des Ansar. Juste pour faire une distinction. C'est des musulmans, non, mais ce sont des Muhajiroun, ce sont des Ansar. Donc, où est le problème ici? C'est des musulmans, mais ce sont des Ghuraba. Il y en a Ishkal. Le problème est à quel niveau? Quand quelqu'un dit je suis salafi, c'est parce qu'il veut simplement se démarquer, c'est-à-dire veut, et il dit quelle est la voie qu'il suit. Il dit moi, je suis un musulman, non, mais je ne suis pas n'importe quelle voie. Je suis la voie des pieux prédécesseurs. Donc je suis salafi, je comprends le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. L'ishkal est où dans ça? Le problème est où? À quel niveau ici? C'est-à-dire où se trouve ton problème? Ton problème est où ici? Quelqu'un est en train de te dire que moi, je ne suis pas n'importe quelle voie. Je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est la voie là que moi je suis. Donc, il informe sur la voie qu'il est en train de suivre. Où est le problème? L'ishkal, où est ton problème ici? C'est pourquoi ceux qui disent que c'est une bida, ceux qui disent non, dire qu'on est salafi c'est une bida. C'est quoi le dalil que c'est bida? Le prophète n'a pas dit qu'il était salafi. Les compagnons n'ont pas dit qu'ils étaient salafi. Intabihuhuna. Cheikh Al-Albani a dit, on fait la différence, parce qu'il y a des gens qui ont dit que dire qu'on est salafi c'est une bida, parce que le prophète n'a pas dit ça, les compagnons n'ont pas dit ça. Cheikh Al-Albani te dit quoi? Il dit, les gens disent, vous combattez l'innovation, vous combattez la bid'a. Mais après vous venez encore, vous dites, nous sommes des salafiyoun. Sachant que le prophète n'a jamais dit qu'il est salafi, ou bien les compagnons, ou même les élèves des compagnons. Intabihuhuna. Cheikh Al-Albani dit, celui qui vient avec ça, qui dit que c'est une bid'a, de dire qu'on est salafi, il dit, il a eu un problème de compréhension. Il dit, les savants font la différence entre des choses qui sont des adorations à la base et des choses qui ne sont pas des adorations à la base. Et ils disent, la base dans les adorations, c'est l'interdiction, c'est ce qu'on est, une preuve. La base dans les choses qui ne sont pas des adorations à la base, donc des adats, les coutumes, c'est la permission. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Jade, suivez attentivement. C'est très important ce que le Cheikh Al-Albani a dit. Parce que les gens viennent là pour embrouiller les gens. On doit passer 10 à la fille, parce que ça c'est une bid'a, etc. Cheikh Al-Albani dit, et quand on dit, nous sommes nahnu salafiyoun, nous sommes des salafis. Il dit ça, à la base, ce n'est pas une adoration. Il dit ça, c'est un tarif. Tu es en train d'informer, tu dis, je suis salafi, c'est-à-dire, je suis le Coran, la Sunna en compréhension des pieux prédécesseurs. Tu as une information sur quelque chose qui est le waqi'. Il dit ça, à la base, ce n'est pas une adoration. Donc, si toi, tu veux interdire, apporte le dalil, c'est quoi ton dalil qui interdit ça? Quelqu'un dit je suis salafi. Il informe aux gens que moi, je ne suis pas n'importe quelle voix. Moi, je suis le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce qu'il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix. Il
Il y a les gens des Jama'at Tablir. Hein? Il y a les Khawarij, il y a ceci, il y a cela. Lui, il dit, moi, je suis le Coran et la Sunna dans la compréhension des pieux prédécesseurs. Il informe. Donc, où est l'Ishkal ici? Donc, si toi, tu veux interdire, on va te demander, c'est toi qui dois apporter le Dalil. Et quand tu es en train de réprimander quelqu'un qui dit, je suis salafi. Tu dis, non, tu ne dois pas dire que tu es salafi. Tu dois dire seulement que tu es musulman. En réalité, tu es en train de lui dire quoi? Tu es en train de lui dire de ne pas s'affilier au salaf. Tu es en train de lui dire de ne pas comprendre le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que quand il dit je suis salafi, salafi veut dire quoi? Salafi veut dire celui qui comprend le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc tu viens, tu lui dis, il ne faut pas dire que tu es salafi. Donc tu me dis de ne pas suivre le Coran et la Sunna dans la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc est-ce que réellement tu as bien compris? Est-ce que tu t'entends? Quand tu viens, tu dis à quelqu'un, faut pas dire que vous êtes des salafis, ne dites pas ça. Donc tu es en train de me dire de ne pas m'affilier au salaf. Oui, parce que salafi, c'est un nisba. Celui qui s'affilie au salaf, il comprend le Coran, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il y a un mal en cela? Belle, c'est wajib pour toi de comprendre le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc si quelqu'un dit je suis salafi, il n'y a pas à le réprimander. Et nous disons, si tu veux interdire ça, tu dois porter le dalil. Parce qu'à la base, le fait de dire que je suis salafi, comme dit Cheikh Al-Albani, il dit ça à la base. Le ans de ça, c'est pas une adoration à la base. Tu es en train d'informer, c'est un tarif. Il dit, c'est comme quelqu'un dit, je suis un musulman syrien, tu es un musulman jordanien. Tu veux venir dire, non, ne dis pas ça. Non, il est en train de t'informer. Il t'informe, non, je suis musulman, mais je suis syrien. Je suis musulman, non, mais je suis jordanien. Comment quelqu'un va dire, quelqu'un peut dire, je suis musulman, mais je suis gabonais. Je suis musulman, mais je suis américain. Je suis musulman, je suis français. Tu veux venir interdire ça à quelqu'un? Donc ici, il te dit, je suis musulman, mais attention, je suis salafi. C'est-à-dire que moi, je suis le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu veux venir interdire ça à quelqu'un? Il est en train de t'informer de son mazhab. Il t'informe son mazhab. Moi, mon mazhab, c'est Kitab wa Sunna bi fahmi salaf al-umma. C'est ça mon mazhab. C'est ça mon mazhab. Pourquoi tu veux interdire? Où est ton dalil qui est interdit? C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a dit les affiliations. Il les a peut-être réprimandés. C'est ça contredit? C'est ça contredit le Kitab wa Sunna. Et il dit s'affilier au salaf. Ça, c'est demandé. Et comme je viens de vous dire même, c'est wajib même de suivre le Kitab wa Sunna bi fahmi salaf al-umma. Donc tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, non, ne dis pas que tu es salafi, mais tu es en train de me dire de ne pas m'affilier au salaf, tu es en train de me dire de ne pas suivre le Coran et la Sunna compréhension depuis prédécesseur. Donc soit tu n'as pas compris c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire salafi, ou tu as compris et tu me dis de ne pas m'affilier au salaf. Et si c'est ça, c'est grave. Donc les gens qui viennent aujourd'hui pour dire, non, c'est dire salafi, c'est une bida. Tu n'as pas compris. Comme a dit Cheikh Al-Albani. Et ça, c'est un tarif. Quelqu'un t'informe de son mazhab. Il t'informe de la voie qu'il suit. Tu dis, moi, la voie que je suis, c'est pas toutes les, je ne suis pas toutes les voies. Hein? Je ne suis pas un Khariji, je ne suis pas un Soufi, je ne suis pas un Tijani, je ne suis pas un Tabliri, je ne suis pas ceci. Je suis un salafi. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de suivre le Coran et la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu veux réprimander ça? Pourquoi tu veux dire à la personne que la personne ne doit pas dire ça? Ils disent non, ça apporte la division. Non, ça apporte la division entre les gens des bidas et les gens de la sunna. Ensuite, celui qui vient nous dire on ne doit pas se dire salafi. Déjà, le verset, comme on l'a dit, c'est pas ce qu'il faut comprendre de ce verset. Parce que malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dit ici, dans ce verset-là, Jaïd ou Assama comme le muslimin, soit 21 ou 78, malgré ça, il a quand même appelé des compagnons muhajirun et ansar. On a dit lequel vous a nommé musulman. Donc ils doivent seulement avoir comme appellation musulman. Non. Donc ça, c'est pour faire une distinction. C'est pour se distinguer. Naam, nous sommes des musulmans. Et moi, je ne suis pas un musulman
qui suit toutes les voies. Non, non. Moi, je suis cette voie-là. Donc, tu dis, je suis salafi. Donc, il est nishkal. Alors, quelqu'un qui vient nous dire, il ne faut pas dire, on est salafi. On doit simplement dire, on est des musulmans, ça suffit. On dit à cette personne, si on te pose la question, quel est ton madhab? C'est quoi ta réponse? Donc celui qui vient dire, on ne doit pas se dire salafi. On lui demande, si on te pose la question, c'est quoi ton madhab? Tu réponds quoi? C'est-à-dire, quelle est la voie que tu suis? Tu réponds quoi? S'il te dit, j'ai dit que je suis musulman, on dit khata. Tu t'es trompé ici, c'est pas la réponse que tu dois donner. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani dit ça. Cheikh Al-Albani dit, quelqu'un qui vient nous dire qu'on ne doit pas se dire salafi, on lui dit, on doit se dire quoi? On doit se dire musulman. Il demande, si on te demande, c'est quoi ton madhab? C'est quoi la voie que tu suis? S'il dit musulman, on lui dit, c'est une erreur. Si on ne t'a pas demandé, c'est quoi ta religion? C'est quoi ta religion? C'est l'islam, je suis musulman. Non, c'est quoi ta religion? C'est l'islam. Tu es quoi? Je suis musulman. C'est pas ça la question ici. La question, on veut connaître quelle voie tu suis. Parce qu'il y a plusieurs voies. Les gens se disent musulmans, ils suivent plusieurs voies. Il y en a qui suivent la voie, n'est-ce pas? Il y en a qui suivent la voie des soufis, il y en a qui suivent la voie des khawarij, il y en a qui suivent la voie des haddadiens, il y en a qui suivent la voie, n'est-ce pas, comment ils appellent, les gens de Jama'at Tablir. Il y a plein de voies. Il y en a qui suivent la voie des chiens. Donc, tu suis quelle voie? Donc, quand tu dis musulman, tu ne nous as pas toujours dit, tu suis quelle voie? Parce que tous ceux-là, ils vont te dire que tous ces groupes-là, ils vont te dire qu'ils sont aussi musulmans. Donc tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas éclairci sur la voie que tu suis. S'il dit, je suis le Coran, je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna. On dit ça aussi, ça ne suffit pas. Tu n'as toujours pas réellement éclairci la voie que tu suis. Pourquoi? Parce que tous ceux-là vont te dire aussi qu'ils suivent le Coran et la Sunna. Celui des Jama'at Tablir, il va te dire, je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna. Jaïd. Le Khariji va te dire la même chose. Je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna. Donc quand tu dis, je suis musulman, je suis le Coran et la Sunna, tu n'as pas vraiment éclairci ton mazhab. Donc, dans la question qu'on t'a posée, jusqu'alors on n'arrive pas vraiment à savoir. S'il dit, je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc je suis musulman, et pas n'importe quel musulman, je suis un musulman qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc je ne suis pas toutes les voies. Je suis un musulman qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ah, on le dit, il n'y a pas un mot dans la langue arabe qui englobe tout ça là. Il n'y a pas un mot que tu peux utiliser dans la langue arabe qui va englober tout ça. Je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas un mot en langue arabe qui peut englober tout ça. Il n'y a pas de doute que si. Le terme salafi. Car le salafi, c'est celui qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc au lieu de tirer, de faire, je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, dis simplement salafi, c'est fini. C'est résumé, c'est concis et c'est clair. Salafi, nisba. C'est nisba, une affiliation au salaf. Donc tu suis le Coran et la Sunna comme les salaf. On comprend. Donc au lieu de dire je comprends le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, dis simplement je suis salafi. Non, là, tu nous as montré ton mazhab. Là, c'est clair. Tu suis le Coran, la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Quand tu dis je suis salafi, c'est clair. Donc, tu peux dire je suis le Coran, la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal à dire ça. Mais on dit, est-ce qu'en langue arabe, on ne peut pas trouver un mot qui englobe tout ça, qui résume? On dit khayrul kalam, ma qalla wa dal.
La meilleure parole, c'est la parole qui est quoi? Concise. Et dont le sens est clair et compris. Une petite parole, mais le sens est résumé là-dedans et compris là-dedans. Donc, quand tu me dis, mon mazhab, moi je suis un salafi. Là, ah, c'est clair. Là maintenant, c'est clair. Donc, ton mazhab, c'est quoi? Est-ce que tu suis le kitab ou sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs? Parce que beaucoup, là, ne sont pas d'accord avec nous sur ça. Moi, on te dit, non, on suit le kitab ou sunna. Mais quand on arrive à la compréhension des pieux prédécesseurs, il commence à faire toute une philosophie. Oui, il va dire, mais après, quand il s'agit maintenant de quand on va arriver au niveau de l'application, il commence à faire toute une philosophie. Donc, ici, là, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a aucun problème à se dire salafi. Aucun problème. Et ce n'est pas une bid'a. Celui qui veut venir interdire, on va lui demander, aïna dalil, c'est quoi ton dalil qui interdit ça? Quelqu'un est en train de faire, c'est un tarif. Il dit, je suis salafi. Donc, je suis le Coran, la soin, compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu veux venir interdire ça? أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا